Bonjour, mes chers élèves de deuxième année primaire, CE1. Je vous présente maintenant méthode de français. Votre cahier d'activité. Veuillez, s'il vous plaît, poser devant vous l'arbre au mot. On va voir des reprises. Une sorte de révision pour les prochains contrôles. Alors, on va d'abord comprendre les exercices de page 15. Et après, on va faire la correction. C'est une sorte de reprise et soutien. Range les mots dans le tableau. Alors, on voit ici un tableau avec ces deux colonnes, les noms et les verbes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger les mots dans le tableau, les noms et les verbes. Deuxième exercice, c'est vraiment facile. Barre le mot intrus dans chaque liste. Il y a un mot étrange qui ne ressemble pas avec les autres. On va les barrer. Approfondissement. Nous allons entourer le verbe et souligner les noms dans les phrases suivantes. Et après, on va recopier les noms propres soulignés dans les phrases. Et barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O. Et entoure dans les mots que tu n'as pas barré les lettres qui transcrivent le son O. C'est vraiment facile, c'est la page 15. Ouvrez s'il vous plaît page 15 et suivez avec moi la correction. Alors, girafe, homme, marchand, ville, palmier, vélo, marque. Wapa. Alors je répète encore fois. Girafe, marchand, ville, palmier, vélo, marque, Wapa. Ce sont des noms et les autres ce sont des verbes. Par exemple, mange, écoute, obéissant, dormir, écrire, nettoie, parle et répondre. Je répète encore une fois, les verbes sont mange, écoute, obéissant, dormir, écrire, nettoie, parle et répondre. Ce sont des verbes. Barre le mot intrus dans chaque liste. On a ici poésie. 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 Domino. Olive. Laura. Jolie. Mot. Océan. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Menton. Hein? Il n'y a pas de son O. Domino. Domino. Olive. Tu vois? Odorat. Joli. Mot. Océan. Menton, non? Alors, menton, il faut barrer. Autruche. Autruche. Dinosaure. Gaufrette. Chausson. Esquimaux, artichaut, hein? Tente, voilà. Tente, il faut barrer tente. Chapeau, chapeau, beau, cerceau, couteau, rideau, bateau, radeau. Et ici, c'est quoi? Hibou. Alors, le mot, on va barrer le mot intrus dans chaque liste. Il y a ici trois listes. Premier mot, c'est montant. C'est tout à fait différent aux autres. Ah, bon, tente, voilà, hibou. Menton, tente, hibou. Ce sont les trois mots qui sont attribués ici de chaque liste. Alors, entoure le verbe et souligne le nom dans les phrases suivantes. Alors, mon père prépare sa valise. Il part en voyage en France. Ma mère le conduira en voiture à l'aéroport de Fès. Il restera une semaine à Paris. Mon père prépare sa valise. Alors, on sait déjà que le verbe se place toujours au deuxième place. Ça veut dire, on se place toujours au deuxième place. Prépare, c'est le verbe préparer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qui prépare sa valise? C'est mon père.
Alors mon père prépare sa valise, prépare, c'est le verbe. Il part en voyage en France, c'est part. Tu vois, c'est le verbe partir. Ma mère le conduira, conduira. En voiture à l'aéroport de Metz. Elle restera une semaine à Paris. Restera. Alors, prépare, part, conduira, restera, ce sont des verbes. Et celui, le nom, dans les phrases suivantes, les noms, c'est père seulement, valise, voilà. Voyage, France, mer, voiture, aéroport, fesses, semaine, Paris. Père, valise, voyage, France, voiture, aéroport, fesses, semaine, Paris. Recopier le nom propre, ce n'est dans les phrases. Alors, les noms propres qui commencent par majuscule, par exemple France. C'est un nom particulier. Fesses aussi. Paris aussi. Alors France, qui commence par majuscule, Fès, c'est un nom d'une ville, Paris aussi, c'est la capitale de France. Par les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un pédocre. Un loukou. Alors, il y a deux, parce qu'on a le do et en fof. Pédocre et loukou. Pédocre et loukou. Alors ici c'est dragon et bouton. Dragon et bouton. Et ici c'est poisson et laine. Les deux derniers. Un poisson et laine, toujours. Et c'est un jeu, tu vois. Ici au milieu, un jeu. Voilà. Et on tourne dans les mots. On tourne dans les mots que tu n'as pas barré, les lettres qui transcrivent le son. Normalement, il y a trois façons de transcrire le son O, soit avec O, soit avec AU, soit avec EAU, comme l'exemple de le do, un fauve, et un escabeau, la beauté, tu vois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait la correction de la page 15, une sorte de reprise pour bien comprendre les leçons de langue française. C'est réservé uniquement pour les élèves de CE1. À la prochaine vidéo. Thank you.